pas de blouse. Content de vous voir. Lieutenant Ganto Himnes du 3e régiment d'infiltration. Capturé en mission de reconnaissance. J'imagine qu'on a appelé la flotte pour détruire la base, non? La transmission n'était pas claire. Il n'y aura pas de flotte. Je vois. Alors vous devez être l'équipe d'infiltration. Tel que je connais le capitaine, il va faire détruire ce centre. Mon équipe a changé, elle s'est fait endoctriner. Ils connaissaient l'existence de la zone d'élevage. Mais l'endoctrinement, c'est bien pire. Bien plus terrifiant. J'ai vu des gens intelligents devenir des coquilles vides. De vrais zombies. D'autres sont morts pendant les expériences. Ceci dit, je les envie presque. Ces expériences, qu'est-ce que vous en savez? C'était des études sur l'endoctrinement. Ses symptômes, sa progression. J'ai l'impression que sa reine l'utilisait sur ses troupes sans vraiment comprendre la portée. Je peux pas vous en dire plus, à part que... J'ai vu le résultat, les autres, ça leur a complètement vidé l'esprit. Je veux pas finir comme eux. Allez, ouvrez-moi! J'ouvre votre cellule, mais après, c'est chacun pour soi. On ne regarde pas en arrière et on croise les doigts pour ne pas sauter, c'est ça? Sans vous, je n'aurais jamais eu cette chance. Merci, Humel. Et bonne chance. Vous en aurez besoin. Oui, par contre, je lui ai quand même donné des infos qu'il pourrait aller utiliser contre Ils nous, ont l'air quoi. Calme. Leur esprit est parti. Ce ne sont pas des manières de traiter des prisonniers. Les tuer, d'accord. Mais les laisser dans cet état-là... Mieux vaut mourir que de vivre comme ça. C'est le mieux qu'on puisse faire pour eux. C'est des zombies, quoi. Ils ont créé des zombies. Et toi, on s'en fout. Toi, on te laisse. Toi, t'es le dernier. T'es le dernier, on s'en fout. Les Galariens comptent sur nous, Shepard. Ce n'est pas le moment de flancher. T'inquiète pas, je vais pas flancher. Allez, on va prendre l'ascenseur. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Sauvegarde de mon espèce. Je ne peux pas vous laisser détruire nos travaux. Ah, tu vois que des Krogan en blouse blanche, ça existe. Tu vois, Rex? Tu vois? Il avait une blouse blanche et c'était un Krogan. Bon. Oh, incendiaire. Incendiaire 5. Ça me plaît, ça. Armure lourde, Krogan. Oui, il me semble par contre que c'est une armure de merde dans mon souvenir. Putain, j'ai tellement de boucliers, c'est abusé. Ici, il fait nuit. Ici, il fait jour. Y'a rien. Allez les petits loups, c'est parti. On y va. Lui, il a même pas eu le temps de comprendre qu'on lui tirait dessus, c'est bien. Ça s'abaisse pas, ça? Je suis sûr qu'on va revenir. Sa reine doit payer pour ce qu'il a fait subir à mon peuple.
T'inquiète, il va payer, frère. Ne tirez pas. Je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Dites-moi, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez ? Rana Tanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers ? Un jour ou l'autre, sa reine voudra me découper le cerveau en rondelles à moi. Voilà. Accès total à tous les dossiers privés de sa reine. C'est bon ? Je peux partir ? Qu'est-ce que vous étudiez ici ? C'est ce vaisseau sovereign. Il émet une sorte de signal indétectable, mais bien réel. J'en ai vu les effets. Sa reine l'utilise pour influencer ses partisans, pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Une exposition directe au signal vous transforme en esclave décérébré, comme les cobayes galariens. Mais il y a des dommages collatéraux. Qu'entendez-vous par dommages collatéraux ? Le signal de Sovereign est trop puissant. Si vous passez du temps près de lui, vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque. C'est comme un murmure à peine perceptible. On se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi. On obéit, un point c'est tout. Et on finit par arrêter de penser par soi-même. Tout le monde est touché dans le centre. Mon premier cobaye, c'était le type que je remplace. Je veux sortir de là avant que ça m'arrive. Pourquoi Saren fait-il ce genre de recherche ? C'est lui qui contrôle tout ça, non ? Le signal vient du vaisseau. Il nous contraint à obéir à Saren, mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle. Pas vraiment. Je crois qu'il craint d'être touché, lui aussi. L'endoctrinement est subtil. Lorsqu'on en ressent les effets, c'est souvent trop tard. Parlez-moi de ce signal. Signal, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée. Avec le temps, quelques jours, une semaine parfois, il affaiblit votre volonté. Vous devenez plus facile à manipuler et à contrôler. Mais ça entraîne une dégénérescence. Il y a comme un système de vases communicants entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même. Plus le sujet perd de liberté, plus il perd de capacité. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi ? Vous n'allez pas ? Je ne... Ah ! Ah ! J'aime votre façon de voir, je sais pas. Barre-toi ou ça va te péter à la gueule. Ok, ok, c'est bon, je m'en vais. Alors, stiletto, fusil de précision. Fusil de précision. Je prends, on va voir pour s'occuper, hein. Pour s'équiper, pardon, pour s'occuper. Mm-hmm. Alors. C'est quoi ces fusils de précision que j'ai chopé là ? Un peu moins de précision, mais un peu plus de dégâts. Moi, j'aime quand ça fait très bobo. Je prends. Le stiletto, c'est celui que je porte moi. Est-ce qu'il est mieux ou moins bien ? Tali, prends le stiletto. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a chopé d'autre ? Putain, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. Le jeu des maisons, ça va changer. Ce sera plus Poudlard. Il y aura quand même un jeu des maisons. Je vais mettre ça en place bientôt, vous inquiétez pas. Commandant, là-bas, il y a une autre balise, comme celle d'Eden Prime. Ouais, à mon avis, on va pas nous laisser l'approcher aussi facilement.
Attends, j'ai été comme une merde pendant 3 semaines avant... Avant de m'en remettre, là. Ça m'a pas sonné cette fois. Un tel endroit ne devrait pas exister. Nous devons mettre un terme aux expériences de Saren. J'ai un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas Saren. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'IV? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à tâtons. Du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je crois pas que ce soit une IV, non. Il existe un plan d'existence éloigné de vos perceptions, que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. C'est un moissonneur! Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que Saren a trouvé. C'est un moissonneur tout court. C'est ce que je viens de dire. Un nom donné par les Protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet. Nous sommes, et c'est ainsi. Les Protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là, c'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement, la fin de tout. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle? Quel cycle? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent, et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les Protéens n'ont pas été les premiers. La Citadelle n'est pas leur œuvre, pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Mais Benoît, ils viennent nous moissonner. Ils nous laissent nous développer et une fois que nous avons atteint le degré d'évolution requis, ils nous anéantissent. De quoi avez-vous besoin? D'esclaves? De ressources? Ma race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation, indépendante, sans faille. Vous êtes incapable d'appréhender ne serait-ce que notre nature. D'où venez-vous? Qui vous a fabriqué? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsisterons. Bah si, t'as forcément un commencement, mec. Où sont les autres moissonneurs? Vous êtes le dernier de votre espèce? Nous sommes légion. L'heure de notre retour a sonné. Nous assombrirons les cieux des mondes. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destin.
wow. On a eu le son de l'explosion du verre avant l'image. Commandant, on a un problème. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là. Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous. Et vite! Vous feriez mieux de vous tirer de là. Il n'y a rien à faire. Une idée, commandant Shepard? On se dirige vers le centre d'élevage. Il est temps de tout faire péter. Bien, commandant. On se retrouve là-bas. Terminé. Je veux bien, mais je repars par où? D'accord qu'il n'y avait rien d'autre dans cette pièce. Tourne de votre position, Geto. On dirait qu'on va toucher un point sensible. Williams, bloquez-les. Il faut les contenir. Ah, je le savais. C'était tellement sûr que ça allait servir à quelque chose, ça. C'est jamais bon signe quand il y a des Krogan dans le coin. Krogan, quand ça a plus beaucoup de vie, ça te fonce dessus. Ok, vous êtes prêts les gars? Rex, Tali, je vous ai toujours aimé.